pas couché. Ça passe! Ça passe! Vas-y! Ah, moi je passe moi! Avec la GoPro! C'est la faute du top skate, c'est ça qui m'emmerde! Ah ouais, moi je passe sans problème! Tu peux y aller? Ouais! Merci, c'est gentil! Non mais cherche pas, ça passe pas, tu vas rayer mon beau carénage avec tes âneries! Laisse mes rétros tranquilles, ils étaient bien réglés putain. Putain, mais qui l'étais-tu? Ça passe pas, à moins que l'obus. Ah voilà. Hein? Quoi? Eh monsieur le chauffeur, oui c'est bien à vous que je parle, espèce de collabo, vous vous en tamponnez l'oreille de mon carénage? Par votre faute il tentera toujours de forcer le passage. Vous savez, là on est tous comme ça. Ah, en fait on se bloque tous. Ouais. Ici ils bloquent, eux ils veulent aller là. Vous, tout le monde se bloque. Si vous reculez, vous pouvez vous barrer là-bas avec ouais. Votre dos. Ouais. Et après vous pourrez piquer. Ouais. Mais c'est par la rue des plantes ou un truc comme ça. Bah là si on attend que ça se libère ici, là le carrefour là, je faisais. Même là, on est tous en chemin. Et encore j'ai réussi à me faufiler parce que derrière les bus là derrière, c'est complètement barré. Ouais. Tout le monde se casse, ça fait un carré, ça fait un gros carré, tout le monde se bloque. MDR, Jean Rubicube qui a donné son expertise, on est enchevêtré qu'il a dit. Bonjour monsieur, vous pensez que vous pourriez reculer de quelques centimètres? Ça serait parfait. C'est très gentil, merci beaucoup. Ouais c'est ça, vas-y recule, putain que je suis énervé aujourd'hui. Bon là, ça sert à rien de s'énerver, hein. Non mais putain, tu t'es cru en Afrique du Sud avec ton vuvuzela? Ah, c'est bien bloqué là. Ah, c'est gentil, merci. Collabo. Bon courage. MDR quoi. Ah les mecs sont bloqués mais tu es bloqué quoi. Regardez-moi ça, putain, ça me fait penser à la vidéo de Wallan quoi. Tout le monde est bloqué quoi. MDR, même le tram est dans le coup. Tout le monde s'auto-bloque en fait quoi. C'est pas la pluie, hein. Au niveau de la station totale. Ouais. C'est blindé, ouais. Un Rubik's Cube, le machin. Là partout. En fait, tout le monde s'auto-bloque. Ils y arriveront jamais. Tout le monde s'auto-bloque. C'est magique. Les gens sont magiques. C'est la merde. Bon,
Donc concrètement, il me reste 20 minutes pour aller jusqu'à Bastille. Si c'est encore comme ça pendant tout le long, autant vous dire que je ne serai jamais à l'heure. À moins d'être en vélo. Là, tu connais l'histoire du mec qui s'équipe pour la pluie. Il sort, il pleut pas, limite il fait un grand ciel bleu. Par contre, le mec est trempé juste à cause de... à cause de la chaleur, de la transpiration quand t'es dans les bouchons, quoi. Hallucinant, quoi. Je suis trempé, quoi. Putain, limite, j'ai froid maintenant, quoi. Ah la vache, ridicule, hein. Putain, et même avec tout ce bordel, le mec arrive à être en avance, quoi. Ça, c'est beau, ça. Voilà, nous y sommes. Où sont les petits Yamaha au rupteur en chaleur? Je vais passer devant. Voilà, c'est moi, le CBR. Pardon, je passe. Bonsoir. Vas-y, vas-y. Vous allez le niquer là avec vos conneries. Putain, mais arrêtez de me faire tous ces bandes de schlag. Le prochain qui refait ça va subir mon courroux. Faut juste stationner là 2 secondes à attendre que tout le monde arrive. MDR, tu t'es cru à Chamonix à faire la descente des flambeaux? Full combi cuir, petit scooter 50. Aïe. MDR, c'est le trognouf qui m'a fait tousser. Non mais regardez-le. Les jeunes des années 2000, ils sont dans un autre monde. Ça fait genre, ça pose le genou. Mais le seul truc qui touche le sol, c'est ton garde-boue quand tu prends un dodane. Attention, il y a un bus. Bah oui, voilà, vous vous êtes bloqué tout seul. Bande de rigolos. Oh, on s'arrête un peu. Oh le bordel. Putain, ça fait une belle ligne, hein, putain. Bon bah voilà, le rasso est terminé, donc bah je vous remercie à tous d'être venus. Non, je déconne, en fait j'ai oublié un abonné. On est parti sans lui. Le pauvre, il m'a confié ses clés de moto parce qu'il voulait partir s'acheter à bouffer. Et du coup, dans l'excitation du départ, et bah, on est parti sans lui. Du coup, bah, je me retrouve avec ses clés dans la poche. Donc voilà, donc du coup, bah, j'ai fait demi-tour pour aller récupérer mon petit abonné perdu. Un rasso ne peut jamais se passer bien de bout en bout. Impossible. C'est impossible. Regarde devant toi, c'est vert. Pardon. Merci, pardon. Désolé, mec, je t'ai fait venir. Je suis désolé. Mais non, mais tu sais, en plus, tu sais quoi le pire? Parce que j'aurais dû. C'est marrant. Non, mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'en plus, dans l'échauffement, le départ, complètement zappé, quoi. Je suis désolé.
Je suis vraiment désolé. Non, mais je suis désolé parce que je te fais venir de hein trucs à venir. D'ailleurs, tu veux nous rejoindre ou pas? Ouais, j'arrive, hein. De où, okay. De où? Ça fait beaucoup de rouge à nous trois quand même, hein. MDR, ça roule en mille mais ça cavale comme un alcoolique dans des vignes, prends un tuk-tuk, ça marchera mieux. On fasse là comme ça là. Voilà, et bah écoutez, cette vidéo se termine. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pu venir à cet événement. Je remercie bien évidemment tous ceux qui n'ont pas forcément pu venir, mais dont le souhait était quand même d'être présent. Donc merci aussi à tous ceux qui m'ont fait part à regret qui ne pouvaient pas être là. Et puis voilà, donc on est quand même un sacré bon nombre. Attendez, on va compter les bécanes là rapidement. Non, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a 24 motos, on en a perdu. On en a au moins perdu 5, je dirais, qui sont partis entre temps. Donc voilà, bon, on était une petite trentaine à ce rassemblement. Donc ça fait quand même une belle team. Voilà, donc je suis très content de vous avoir rencontré. C'est vrai que dans ce genre de situation, on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir parler entre guillemets longtemps et en profondeur avec chacun, mais bon voilà, le simple fait que vous soyez là, ça me fait déjà super plaisir. Voilà, donc écoutez, les prochains rassemblements, je pense que ça sera à la rentrée, parce qu'avec les vacances et tout ça, peut-être qu'en juillet il y aura une petite sortie en juillet. Donc je disais, peut-être qu'en juillet il y aura une petite promenade. Et puis voilà, donc bien évidemment vous serez mis au courant. Voilà, les magnifiques Invalides pour finir cette soirée. Mais donc merci beaucoup. Restez connectés bien évidemment sur la page Facebook, sur YouTube. Et puis je vous fais des gros bisous. Allez, ciao les gens, un gros bye bye. Alors aujourd'hui, petite balade nocturne. En fait, je vais aller à la rencontre de Nico CBR. Donc là, il y a un rendez-vous à Bastille à 20h30. Je suis un petit peu en retard. Salut. 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 Chanté. Oh oh. Ah ah. Oh la limousine au KLM. Ça c'était sûr, un tunnel, laisse tomber. De quoi? Vous faites quoi? Une balade.
L'enfoiré. Ah, salopard. Qu'est-ce qu'il fait? Putain, il lui a viré ses clés. Ah, l'enfoiré. Bon, ce qui vient de se passer, c'est que c'est la guéguerre entre les deux KTM. Et l'autre, tu lui as retiré les clés, il lui a balancé 2 mètres devant.